Ndoye Yapi-Raymond a déposé ses valises au RHDP. L'ancien maire PDCI de Kumasi a officialisé son adhésion samedi 11 février à la plage Inch'Allah de Kumasi. Il dit avoir été séduit par la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. J'ai pris cette décision en toute liberté, sans contrainte aucune et sans marchandage, mû par le seul désir de me mettre à la disposition du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne après Félix Houphouët-Boigny et apporter ma modeste contribution à l'œuvre de rassemblement des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire dans un idéal de paix et de partage. En sa qualité de secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, après avoir exprimé sa joie d'accueillir le nouvel adhérent, a appelé les militants du RHDP à ouvrir les bras à ceux qui arrivent. Il a saisi l'occasion de la tribune pour mettre en mission tous les nouveaux venus au RHDP au travers de Ndoye Yapi-Raymond. Je voudrais donc te mettre en mission, bien sûr à Kumasi, te mettre en mission à Kumasi, aller parler à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore compris où se trouve le bonheur, où se trouve le vivre ensemble, où se trouve la paix, où se trouve le développement. Il faut aller les convaincre. Mais au-delà de Kumasi, te mettre en mission partout en Côte d'Ivoire où ta voix pourra porter, où ta voix pourra être écoutée. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas écoutée. Ndoye Yapi-Raymond a été maire PDCI de Kumasi de 2001 à 2018. En adhérant au RHDP, il entraîne avec lui de nombreux militants du parti doyen.